Un automobiliste est entre la vie et la mort, ce samedi, après avoir été percuté par une voiture de police à Pontarlier vendredi soir. La voiture de police sollicitée pour intervenir, en urgence, sur le lieu d'une rixe, traversait un carrefour, gyrophares allumés, grillant un feu rouge, lorsque l'accident s'est produit vers 22 heures. Deux témoins ont expliqué avoir vu le véhicule de l'homme de 50 ans passer à l'orange, a précisé Étienne Manteau, le procureur de la République de Besançon, rappelant que les véhicules devaient normalement laisser la priorité aux policiers en intervention. Les enregistrements sonores de l'intervention confirment cette version, ajoute le procureur. Une policière, passagère avant, a eu le coude cassé dans l'accident. Les analyses de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants des policiers se sont révélées négatives. Le résultat des analyses toxicologiques réalisées sur le conducteur blessé ne sont pas encore connus, toujours selon le procureur. L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine de Besançon. T'as vu, d'où, un habitant gagne 800 euros à une partie de poker en ligne en moins de 10 minutes.